Et là, yo les guerriers et guerrières de la lumière et bienvenue sur Plava Station. Aujourd'hui, on est en compagnie du chat sur Twitch, si vous voulez, hein, vous pouvez d'ailleurs passer et faire un petit coucou. Donc aujourd'hui, on va s'attaquer au debunk de la phase 5 de DSR parce que, comme je disais avec les copains tout à l'heure, il y a énormément de choses à voir, mais non seulement il y a beaucoup de choses à voir, mais il y a beaucoup de patterns différents qu'il va falloir apprendre et voir pour pouvoir espérer la passer. Donc on s'enchaîne ça très rapidement, j'espère que ça vous plaira, n'hésitez pas, hein, si c'est le cas, à me le dire dans les commentaires, à mettre des petits likes, à partager la vidéo, et c'est parti. Qu'est-ce qui se passe en PS5? Donc comme vous l'avez vu, on essaie de sauver Orchobro, et du coup le but c'est de le sauver dans cette phase, on a vu la rewind la dernière fois, et ensuite... Le destin a beau être immuable, il n'empêchera jamais les hommes de rêver, et si nous rêvions tous ensemble à la survie d'un ami cher, disparu dans la fleur de l'âge. C'est ainsi que commence la phase 5. La phase 5 commence sur rien. Genre, legit rien. Il y a, du coup, il y a les dragons morts au sol, et il y a Tordane, en fait, qui revient, du coup, comme en P2. D'ailleurs, ce qui se passe quand vous ratez la transi, si vous ne sauvez pas Orchefant, c'est que le jeu boucle et vous ramène en phase 2, donc en phase de Tordane. Donc là, on va retourner vers Tordane, mais la timeline est différente, donc ce qui va se passer est différent aussi. Donc, qu'est-ce qui se passe dans cette phase 5? Pour commencer, donc comme je disais, pas grand-chose, on est en événement, le roi Tordane revient, et il va commencer incarnation sacrée, donc il possède en gros l'esprit des dragons, tu vois, donc il va diriger les dragons. Et il dit « Mon règne commencera sur vos cadavres », donc il veut nous tuer, et il va commencer par cast, comme dans l'extrême d'ailleurs, il va nous cast l'œil du dragon. Donc il va lui mettre ce buff-là. Ce buff-là qui est un buff qui est mal traduit en français, d'ailleurs. Les actions que va faire Tordane sont buffées de 15% par rapport à la P2. Donc la phase, tout ce qu'il va faire Tordane fait 15% de plus de dégâts, en gros, sur cette phase 5. Donc, début de la phase 5, comme vous pouvez le voir sur le toolbox, on est là. Donc, Tordane va commencer à cast son truc. Il fait œil de dragon, là, il... une auto, deux autos. Donc, il met deux auto-attaques physiques sur le tank. Rien de vraiment à s'occuper. Et va commencer à appeler ses serviteurs à lui, donc à moi, mes loyaux serviteurs. Donc là, en fait, on a une bonne phase de... une trentaine de secondes pour lui casser la gueule. Et donc comme en P2, hein. Comme en P2, ce qui va se passer, c'est que Tordane va arriver, il faut lui casser la gueule rapidement, il faut le descendre très vite parce que vous avez trois phases complètes en gros pour descendre Tordane dans cette phase. Donc il faut lui péter la gueule parce que les seules phases où il est là, il faut lui bourrer la tronche, quoi, tout simplement. Donc il va faire apparaître des dragons dans la salle et il va incanter Colère d'Azur en français, donc Wrath of the Heavens en anglais. Je dis pas de conneries. Donc, il caste son caca boudin. Qu'est-ce qui se passe? Donc là, en plus des dragons, évidemment, parce que c'est pas drôle, des chevaliers vont venir l'aider, comme du coup Tordane. Donc il va cumuler en fait des mécaniques de dragons à des mécaniques de chevaliers saints. Et c'est à partir de là que ça commence à devenir la zinzin, ça devient la zinzin très très vite. Donc, qu'est-ce qui se passe ici? Le nord est défini, le nord de la mécanique, ici, est défini par les deux guerriers qui sont en dehors de l'arène. Ces deux guerriers, en décortiquant, vont venir lier deux joueurs par un lien rouge. Les joueurs avec le lien rouge, en fait, doivent étirer le lien parce que c'est un dégât de proximité. Et ils vont venir dash sur toute la ligne que va définir cette ligne entre eux et les joueurs. Sauf que, beaucoup de choses. Donc là, vous allez voir, ces guerriers... À ces guerriers vient s'ajouter un dragon. Je vais essayer de vous montrer la plupart des patterns. Et on en discute après là. Je vais juste, en gros, faire le résumé de la méca. On verra les mécaniques, les mouvements par mécanique par la suite. Donc, les liens doivent être étirés le plus loin possible. Vous avez des lignes comme ça là, sur la carte. Vous avez des lignes sur la carte pour étirer le lien, pour savoir exactement pile, c'est où le pile opposé. Attention, on va pas se servir du pile opposé. On va décaler légèrement ces liens. Vous verrez par la suite. On a une personne qui va avoir... un chevalier qui va lui sauter sur la tête. Donc le chevalier va lui sauter sur la tête en faisant une très grosse AOE. Et les 5 autres joueurs, donc on est 1, 2, 3, et les 5 autres joueurs qui n'ont rien. Donc, à partir de là, vous pouvez définir les déplacements que vous allez faire par rapport à cette mécanique.
ce qu'il faut dire, nous, sur ce sur quoi on s'est arrêté. Donc là, vous voyez, les liens apparaissent et la personne avec la dynamo bleu, enfin le marqueur bleu sur la tête. Donc les liens doivent être étirés, comme ça. Du coup, les liens étirent les liens, le bleu va aller par rapport au nord relatif toujours, donc par rapport au nord-ouest, donc à juste à gauche du lien le plus à gauche. Laissez-vous un peu de marge parce que mine de les dashs c'est quand même des gros AOE. Donc je vais aller me mettre à peu près ici, en dessous de D, ici là, vous allez voir. Donc là, le lien rouge, il arrive ici, pam, enfin le lien bleu pardon, il arrive ici. Donc vous vous mettez au nord-ouest, là-bas, vos deux liens, eux, se mettent au sud et les cinq autres se répartissent dans l'arène de l'autre côté. Par contre, c'est ma vie. Donc à ce moment-là de la mécanique, deux personnes aléatoires, comme vous voyez dans la liste d'équipes ici, vont choper un debuff électrique. Donc ils vont choper un debuff électrique, ils vont avoir un petit impact électrique sur eux, visuel uniquement. Donc le petit impact électrique pop sur eux pour leur dire « Vous avez la foudre, regardez vous avez la foudre, vous avez le debuff, là il y a un timer dessus, et à la fin de ce timer, le debuff explose, ne faisant pas de dégâts, mais faisant une petite AOE ronde ici. » Donc en fait, vous pouvez dire entre 4 et B, et entre D et 2 là, bah y a rien de safe. Donc c'est pour ça que tout le groupe est espacé, c'est important, à droite, et celui qui a le bleu est à gauche. Donc, au moment où ces foudres tapent, vous avez ici Vertfolnir qui va faire Plongeon Trompeur ici. Donc à la fin de ce cast, Plongeon Trompeur, alors non pas à la fin de ce cast, j'ai des bêtises. Ne regardez pas ce cast, il est trompeur justement, il porte bien son nom parce qu'en fait, tu vois là je ne bouge pas. Voilà, et j'attends en fait l'impact du dash, ou de voir dash le chevalier, parce que vous voyez, il y a les chevaliers qui dash là. Donc vous allez voir les chevaliers dash, vous attendez que les chevaliers dash pour bouger. Les chevaliers dash, vous avancez. Pourquoi tout le monde avance? Parce que cette mécanique va laisser derrière tout le monde, vous voyez là, poup, coucou. Coucou, je suis un twister. Alors d'ailleurs, c'est super dégueu, parce que si vous avez fait Ukob, ce timing de twister est horrible. Alors le timing de Twister ne se base pas du tout sur le cast, mais se base sur l'animation. Donc, ne vous faites pas bait, il faut bien attendre que les chevaliers dash pour bouger et éviter le Twister. Si vous bougez trop tôt, vous risquez d'avancer, de foutre le Twister sous vos pattes et de mourir. Donc voilà, ça c'est la première partie de la mécanique, on a les liens, les foudres et le bleu. Alors tu verras pas de flash là, tu vois un flash parce que j'ai le mec qui me dash sur la gueule, mais de l'autre côté tu vois pas le flash, tu vois juste les chevaliers dash. Vous allez voir les autres points de vue ensuite. Mais voilà, grosso modo, faut faire attention au moment, donc à ce moment là, là je vais me placer, tu vois, je vais me placer, je vois les chevaliers dash. Donc là tu vois, avant que les chevaliers dash, au centre de l'arène, toujours entre les deux chevaliers, donc sur la ligne qu'ont fait les deux chevaliers qui dash, vont pop un mage et un guerrier, toujours. Par contre, le mage peut être au nord et le guerrier peut être au sud, ou l'inverse. Donc c'est très important à ce moment-là de la méca, juste avant de bouger pour le twister, de repérer le nord et le sud. Parce que juste après ici, donc là on ne voit pas, on va le voir là, ici. Ici vous voyez donc Emsa a un marqueur de dive, de dragon. Ce dragon va toujours pop du côté du mage. Donc ce dragon est toujours du côté du mage. Donc son objectif à la personne qui a le marqueur vert, c'est d'aller se mettre derrière le mage, sur le cardinal du mage, le plus au bord de la map possible. Lui doit faire ce mouvement là, aller le plus au bord de la map pour bait le souffle du dragon qui est quelque part... Vous voyez ma souris là? Donc qui est quelque part en D ici. Donc pour bait le souffle du dragon dans cette direction là. Ou dans cette direction là. Son but en fait c'est de faire que le souffle du dragon n'aille jamais vers nulle part autre de l'arène et qu'il fasse comme ça vers le sud. Quelque part, soit comme ça, soit comme ça. Donc voilà, ça c'est son objectif. Donc les déplacements de cette phase. Le dive, donc le dragon va côté mage, au bord de l'arène. Les deux qui ont eu les liens se rapproche du côté gauche, donc là vous voyez il se rapproche de moi, donc les deux montent d'un cran, donc Rad va venir jusqu'ici et Scat va venir jusque là. Pourquoi c'est très important? Parce qu'en fait de l'autre côté il va rester 4 personnes, et ces 4 personnes veulent s'espacer le plus possible. Pourquoi ils veulent s'espacer le plus possible? Donc là on a l'explosion, on a les twisters,
Et derrière, ils veulent s'exposer, s'espacer le plus possible, parce que, à ce moment-là, il va refaire une grâce d'Ascalon, comme en P2. Sauf que cette grâce d'Ascalon, elle est révélée cette fois-ci, c'est-à-dire que ce sera sur chaque joueur, vous pouvez pas l'esquiver, donc c'est des protéanes, donc il faut s'espacer dans l'arène pour pas se faire soulever la gueule. Donc là, vous voyez, les deux montent vers moi, ils se mettent ici, les grâces d'Ascalon, hop, vous les voyez partent sur tous les joueurs, lui, au moment où, c'est parti, il a verrouillé le dragon vers le sud. Il a verrouillé le dragon vers le sud. Et du coup, résolution des protéins. Juste après ça, là vous voyez, moi, Scat et Radiant, on a une vulné magique. Donc là, en fait, les deux personnes qui ont pris les dash et la personne qui a pris l'AOE bleu ont une vulné magique. Ces trois personnes ne peuvent pas avoir une des mécaniques qui va suivre. Parce que c'est... Vous allez voir pourquoi. Donc, deux mécaniques vont se passer en même temps. Donc là, vous voyez une des deux mécaniques. Donc c'est le bait des AOE du mage. Donc là, le mage va commencer à canaliser des météores sur une personne. Il va en faire 4 d'affilée qui vont faire des très grosses AOE. Cette personne doit esquiver ses météores pour aller ensuite vers le guerrier. Parce qu'en fait là, du coup, le guerrier... Là, vous voyez, si vous voyez sur la liste d'équipe, Sir Grino n'a pas encore commencé. Attendez, on va attendre un petit poil. Voilà. Sur la liste d'équipe, on a tout ce qui se passe. Donc là, on a Brasier de l'hôtel de Charibert, qui est en train de canaliser ces trucs-là. Il va faire 4 grosses AOE qui vont suivre un joueur aléatoire. Ces AOE ne font pas de dégâts, se posent sur le sol. Si vous êtes dedans au moment où ça se résout, par contre, vous mourrez. Quel que soit ce que vous avez. Et Videfnir et Sombrekai, tiens. Font cautérisation. Donc c'est des Liquid L. Donc là, vous voyez derrière, là-bas. Ça va cibler un des 5 joueurs qui n'a pas de vulné magique. Donc les Liquid L, c'est comme sur Ukob, c'est un dragon qui va vous cracher du feu à la gueule. Ça va laisser des petits puddles de feu. Les puddles de feu font un petit dégât à l'impact. Ils font un petit dégât à l'impact et vont vous suivre 5 fois d'affilée en laissant des puddles de feu sur le sol, ce qui vous empêche de marcher dedans par la suite. Là, sauf que si la personne qui a les Liquid L ici est du côté droit, enfin du côté gauche, là où on est, vu qu'on a des vulnés magiques, le petit impact qui te met genre 8 à 10 000 points de dégâts sur la tête, un peu moins, hein, qui te met genre les 5-6 000 points de dégâts sur la tête, et ben tue n'importe lequel de nous trois. C'est pour ça que c'est important que nous trois on finisse du même côté, et que eux là-bas aient de la place pour s'espacer, parce que du coup il ne faut absolument pas que les Liquid L soient du même côté que nous. Donc on a une personne qui doit bait ses 4 grosses AOE, on a un Liquid L qui est là-bas qui doit bait ses puddles 5 fois de suite. Faites attention, par exemple, si le puddle de feu... Enfin, si le liquid elle est là et que le gros puddle de feu est là, il ne faut pas courir l'un vers l'autre. Je vais vous montrer un exemple de ce qu'il ne faut pas faire par la suite, parce que ici, si vous faites ça, et ben, vous bloquez le chemin et vous êtes baisé après. L'objectif de tout le monde à la fin de cette phase, comme vous voyez dans la liste d'inimitié, Sir Grino ici va faire 100 et acier, donc va faire un vide dimensionnel. Donc un in, donc c'est un donut. Il va faire autour de lui. Le but, c'est que tout le monde se retrouve dans ce donut à la fin de la mécanique. Pour ne pas mourir, hein, tout simplement. Sauf que bah, ceux qui ont les puddles doivent les bait à l'extérieur. Genre, ils doivent faire comme ça et ensuite retourner. Pareil pour lui là-bas, hein, il va faire comme ça et ensuite retourner. Pour ne pas mettre les puddles dans la zone safe, tout simplement. Mais, si vous vous souvenez, il y a deux personnes qui ont aussi eu les debuffs de foudre. Et ces deux personnes doivent aller se mettre à un endroit différent du groupe. Parce que sinon, ils zappent tout le monde. Donc nous, ce qu'on fait, c'est que le groupe est entre Tordane et Sir Grino. Donc toujours ici. Donc toujours entre Tordane et Sir Grino. Et ensuite, vous allez voir ici, sur la... Il y a un cercle de pierre ici, là. Et c'est là-dessus que les foudres vont aller se placer. Sauf qu'il faut que les deux foudres se collent gauche et droite pour ne pas faire que... Bah si, il faut pour pas qu'ils se touchent, en fait, tout simplement. Parce que là, vous allez voir, il y a les puddles. Bait, bait, bait. Et le but, c'est de se retrouver comme ça à la fin de la mécanique. Comme vous allez voir ici. Donc là, on se rejoint ici. Bam. Vous allez voir les foudres. Bon, ils sont là-bas, là, vous voyez mal, mais ils sont derrière, sur le cercle de pierre, pour prendre leur foudre. Et du coup, il y a le in qui se résout. Voilà, le vide dimensionnel. Et ensuite, méga séisme ancien. Alors, dans cette phase, on va récapituler, et ensuite, on va vous montrer les exemples des différentes phases. Parce que, justement, bah parce qu'il y a plusieurs patterns, justement.
Donc début de la phase, on repère les guerriers. Alors faites attention aussi, il faut beaucoup de mitigation. C'est des dégâts mixtes, il y a des dégâts physiques et des dégâts magiques. Je vous conseille les boucliers et le troubadour. Enfin les mitigations des distances physiques ici pour les heals. C'est pour ça qu'on a un setup ici avec un gros shield sur le groupe et un débarras et un troubadour. Pour tanker la mécanique. Parce que c'est des dégâts mixtes, justement. Donc début de la mécanique, les liens vont à l'opposé. Et le bleu va en haut à gauche, les 5 autres vont à droite. On attend le dash du dragon, on bouge, on esquive le twister. Les liens remontent côté gauche. Le dive bleu vert va derrière le mage. On repère le mage et le guerrier. Hein. On attend la grâce d'Ascalon, donc les protéins. Les protéins arrivent. Les baits, donc premier bait là de Scat. Deuxième, là on a les liquid L de l'autre côté. Les foudres vont à l'extérieur du groupe. Et le groupe va entre Grino et Dordan. Ça se passe extrêmement vite. Il y a extrêmement... Ça va très très vite. Ça va très 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 vite, il faut faire attention. Donc maintenant on va revoir ça. Pour... bah voilà, comme ça vous avez tous les points de vue. Donc là on a... le mien. Donc on a le pattern, si vous avez du coup le bleu. Donc vous allez au nord-ouest, vous posez votre bleu. Vous posez votre bleu. Au dash, vous avancez, vous avez vos twisters. Là, vous attendez tranquillement. Et là, du coup, vous pouvez avoir du coup le... La haut rouge, la grosse, parce que du coup, la grosse ne fait pas de dégâts. Normalement, vous voulez bait la grosse à l'opposé du guerrier. D'accord? Vous voulez la bait à l'opposé du guerrier, parce que justement, il va se passer ce qui va se passer là. Si vous la baitez derrière, vous vous retrouvez dans une situation où... Bah les mecs qui doivent bait la foudre, vous voyez où ils sont là. Donc du coup, vous leur fuckhead un peu leur placement. Donc voilà pourquoi on ne doit pas bait la grosse haut rouge derrière le guerrier. Il y a de la place, tu vois, ça passe, mais c'est pas ce qu'on veut, donc on vous évite. Voilà, ça c'était l'illustration de ce que je voulais vous montrer là-dessus. Mais on a la foudre cette fois. Ok, donc là, même chose, on a le bleu. Vous allez avec votre bleu, poup, de votre côté, paf, et là, vous voyez, tac, j'ai pris la petite aile de foudre avec mon petit debuff, 15 secondes, hein, qui arrive sur ma tête. Donc ce petit debuff, j'avance, je fais exactement la même chose que tout à l'heure, j'attends, parce que c'est aussi possible que j'ai un puddle. Hein, vous pouvez tout avoir, vous pouvez avoir, vous pouvez être le dindon de la farce, on peut avoir tous les debuffs en même temps. Donc là, on attend, c'est pas moi, sauf que là, donc je colle. Ici, je colle, là où je colle gauche. Donc gauche par rapport au guerrier. Hein. Et vous voyez, je vais me mettre sur le cercle de pierre qui est là. Sur le cercle de pierre, vers l'extérieur. Hop. Bon là, c'est un peu dommage parce que du coup, le Rad, il a un peu freestylé. Et Rad, du coup, ça a poussé Scat. Mais globalement, moi, je suis à peu près bien placé. Peut-être un petit peu in. Mais grosso modo, ici, vous êtes bien. Tu vois. Ici, là, vous voyez que quand le cercle apparaît... Oup, vous voyez, ça, c'est la limite. Là, tu vois, je pouvais me mettre un peu plus par ici. Et tu vois, tu peux... En fait, tant que t'es sur le cercle de pierre vers l'extérieur, c'est bon. Faut pas être juste derrière le guerrier parce qu'il faut te laisser de la place avec ton collègue, hein, évidemment. Voilà, donc là, je n'ai rien. Là, début de la phase, c'est possible que vous ayez rien. Vous repérez les guerriers. Bam, j'ai rien. Je vais à droite. Je vais à droite, vous voyez, on se spread. On s'espace tous. On fait une belle espaçade. Alors c'est pas obligé de s'espacer autant hein, au début, même si vous êtes stacké ça passe, c'est juste que normalement vous voulez éviter d'être trop proche de quelqu'un parce qu'il y a les twisters justement. Donc vous répartissez, vous mettez pas trop au sud non plus parce que sinon vous prenez les dash dans la gueule hein, des liens. Donc vous vous mettez là et là tu vois, là j'ai la foudre, donc là j'attends, les dash passent, j'avance. Donc là on voit Emsa qui a le vert donc il va aller derrière le mage qui est là-bas. Voilà. Je recule un petit peu, donc c'est très important de reculer un petit peu, pourquoi? Parce que si vous avez les puddles derrière, si vous êtes trop au centre, ça va fuckhead le placement de tout le monde en même temps. Donc vous voulez absolument reculer un peu après avoir esquivé votre twister, pour ça, tu vois. Parce que là, tu vois, si t'es trop devant, ta première AOE, elle est là. Et admettons, tu es là, et ici c'est pas le mage, c'est le guerrier. Bah tu baisses tout le monde. Parce que du coup ton AOE elle fait tout ce qu'il faut pas qu'elle fasse. Voilà. Donc là j'ai la foudre, j'ai rien d'autre donc je vais me placer. Je call droite, oup, je me mets là à droite tu vois. Là on voit, là c'est parfait tu vois. Là le placement est...
Nickel. Donc le groupe est à l'intérieur, les deux foudres sont à l'extérieur. Boum, explosion des foudres, in, fini. Évidemment, si vous n'esquivez pas votre twister... Oui. Voilà. Donc, vous avez le lien. Vous voulez tirer votre lien à l'opposé de là où il est, mais... Voilà. Vous n'allez pas exactement à l'opposé de votre lien. Vous rentrez légèrement vers le nord, le nord ou le sud. C'est-à-dire que là, normalement, si j'avais fait une ligne droite, mon lien serait ici, pile sur la ligne de l'arène. Sauf que je vais me le décaler vers la droite pour laisser un peu de marge à ceux qui sont là-bas. Et là, on voit que j'ai l'éclair encore. Donc là, je l'éclaire. J'attends le dash. Boum. Ah oui, non. Là c'était mauvais timing. Là, c'était dans les premières, c'est dans les premières fois, du coup. Mais là, par exemple, mauvais timing de Twister. Tiens, mais c'est un très bon exemple de pourquoi j'ai bougé beaucoup trop tôt. Parce qu'en fait, tu vois, t'as le lien. Mais là, j'ai bougé. Le dash est encore en train de s'animer, tu vois. Je suis censé attendre le dash avant de bouger. Parce que là, le Twister pop pile, du coup, sous mes pieds. Vous prenez aussi le risque, si vous bougez à ce timing-là, de vous faire empaler par l'empalement tournoyant, justement, parce que c'est une dégâts de proxy. Donc si vous avancez à ce timing-là, vous allez vous faire éclater par les dégâts de proxy. Voilà, ça c'était les différents patterns. Vous avez aussi du coup l'exemple de ce que je vous disais tout à l'heure. Donc ça, sur le stream de Just. Donc là, il a rien, il va de son côté. Il a le dive. Oh ouais, non. Voilà, du coup, il va le dive, il va le poser. Voilà, il va le poser tranquillement derrière le mage. Là, vous avez une très belle POV du dive. Vous allez le poser derrière, sur le bord de l'arène. Et là, du coup, il va avoir le brasier du mage, d'accord ? Il va avoir le brasier du mage, il va se décaler vers la gauche. Qui est pas en soi une mauvaise chose, hein, parce que là il est du côté du mage, donc il peut se décaler du côté qu'il veut. Sauf que là, vous voyez, il y a Scat, ici, qui va avoir le Liquid L. Donc Scat va se décaler vers lui aussi. Et le très 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 gros problème, c'est que là, ce qui va se passer, c'est que Just va faire in, et que Scat va faire out. Ce qui fait que Scat, ici là, il va se retrouver en mode chef, au secours, chef. Ça, c'est exactement la situation dans laquelle vous voulez pas vous retrouver. Parce que du coup, ça vous fout dans la sauce. Parce que là, Scat, il peut faire ce qu'il veut. Il est dans les AOE de feu, dans les siennes, dans celle de Just. Il se fait, là, il s'est soulevé. Voilà, là, il a aucune échappatoire. Donc ça, c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est très important de ne pas faire ça. Là, en fait, ce qu'ils auraient dû faire, l'un comme l'autre, c'est qu'en fait, là, en fait, Just, il court à gauche et il voit le Liquid L ici. Qu'est-ce qu'il fait? Quand il voit le Liquid L ici, il aurait dû faire une virgule directement de l'autre côté, tu vois. Il aurait directement dû faire une virgule par là. Là, il a fait sa virgule bien trop tard. Parce qu'en fait, le puddle va s'accrocher sur lui ici. Là, oup. Et là, c'est trop tard. Donc en fait, il aurait dû faire sa virgule beaucoup plus tôt. Donc il aurait dû faire sa virgule au deuxième, là il voit le puddle, il aurait dû faire sa virgule. Là il aurait dû être ici, tu vois, quasiment sous le mage, pour partir directement à droite, pour laisser à Scat sortir. Et c'est pareil, Scat ici, il voit ça, parce qu'il peut lorgner dans les AOE ici, c'est pas grave. Mais en fait, il voit ça, ce qu'il doit faire ici, c'est directement lui aussi faire une virgule pour partir de l'autre côté. Sachant qu'ils sont tous les deux du côté du mage, donc ils s'en foutent de mettre n'importe comment leur puddle ici, tu vois ce que je veux dire. Donc là, Scat aurait dû repartir vers là, et Just aurait dû repartir vers là-bas. Voilà, ça c'était l'exemple de ce qu'il faut pas faire. Faites pas ça chez vous. Rends la qualité là. Merci. Donc, on a rien. Bah ici on a rien, du coup on va de notre côté. On se spread, on a le dive, on claque le sprint, parce que sinon on n'a pas le temps. On va se placer derrière le mage le plus loin possible. Boum, et on a le bait du Mickey, pas du brasier. On l'esquive en revenant vers le groupe. C'est un petit peu serré là, mais ça va. Quand vous arrivez ici, dans la panique, vous allez pas regarder où est-ce qu'il est le mage et où est-ce qu'il est le guerrier. Donc regardez bien où est le mage et où est le guerrier ici pour pouvoir vous déplacer si jamais vous avez ce bait, parce que ce bait, bah sinon il vous fout dans la sauce. Donc bien sur le bord. Donc on bait les trucs là, j'ai vu que le truc était à ma gauche en plus, donc je suis allé du bon côté par défaut. De toute façon, je suis allé du côté où il y avait le moins de monde aussi. Donc voilà, j'esquive mes trucs. Bam, je mets 3, je mets 4. Et voilà, on est dans le groupe. Prio 1, Liquid L. Donc j'ai le lien. Le lien, comme j'ai dit tout à l'heure. J'ai le lien, je l'étire à l'opposé et je rentre d'un carreau vers le nord et le sud. Dès que j'ai
dès que j'ai bait mon twister ici, je bait mon twister, et je vais à gauche, je remonte tout en haut à côté du mec qui a pris le bleu. Comme ça, on a un mec ici, un mec là, et les quatre autres là-bas, ils peuvent s'espacer comme ils veulent. Très important aussi. On attend les protéanes, les liquid L, bon, il n'y a pas, et voilà, du coup, c'est fini. Ouais, on les voit mieux. Donc là, vous voyez le mec qui bait les liquid L là-bas. Donc vous voyez qu'il pose son premier liquid L, donc c'est radiant, je crois, voilà. Premier liquid L, deuxième liquid L, troisième, quatrième, et il revient vers le groupe, il fait une virgule ici pour arriver dans le groupe. Vraiment en mode smooth, il a pas sprint rien, hein, il n'y a pas besoin. Là c'était juste pour vous montrer d'autres points de vue du trio 1. Donc voilà, ça c'est pour la première partie du... C'est le premier trio de la P5. Un Ancient Quagga, il faut bien mitiger. On a 2 fois 45% sur les anciens Quagga, nous. Parce que, bah, ça fait mal, chef. Juste après ça, il va faire la même chose qu'en P2. Laisse-moi te poser une question, guerrier de la lumière. Comment comptes-tu mettre fin à ce conflit millénaire, fils d'up? Oui, effectivement, parce que là, en fait, on est retourné à Evansward et le conflit est encore en cours. Hein. C'est pour ça qu'on affronte Tordan. D'accord? Donc Tordan va refaire exactement la même chose. C'est pareil, hein, le méga séisme, il le fait aussi en P2, mais il a 15% de bonus de dégâts. Donc ça, il faut pas l'oublier. Hein. Le 15% de bonus de dégâts sur Tordan, il est dangereux. Et c'est pareil parce qu'il va refaire le combo Estoc Céleste et le triple cleave qui va faire le même TB qu'en P2, donc la vulné plus le triple cleave sur l'autre tank parce qu'il faut voke, enfin, il faut provoquer. Et c'est très dangereux parce que bah, ici il y a 15% de dégâts en plus. Donc il faut faire très attention à votre mapping de mitigation sur vos tanks et sur vos heals ici. Et ça va être d'autant plus vrai sur la fin de la phase où il va falloir commencer à setup la phase 6. Donc là nous par contre on a un guerrier donc on s'en fout. Voilà. Donc le guerrier va prendre et les stocks célestes. Donc là, vous voyez, il met son Holmgang au dernier moment. Il va prendre et les stocks célestes et les trois cleaves tout seul. Donc là, boum. Plus le triple cleave. Bam. 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 Il prend tout sous Holmgang. Zéro problème. Et voilà. On s'en fout de la méca. Sur celle-ci, on s'en fout. C'est, voilà, comme ça, c'est fait. Et ensuite, condamnation d'Azur. Alors là... Alors là, c'est la deuxième partie qui arrive. Donc, condamnation d'Azur, qu'est-ce qui va se passer? Pareil, je vais vous montrer les différents... Enfin, la phase en entier, et ensuite, je vous montrerai les différents points de vue. Parce que là, c'est pareil, il y a 4 esquives différentes par rapport à votre placement. Il y a 4 esquives différentes à faire. Donc, nous, on a choisi de faire une stratégie comme celle qu'il y avait dans le guide de Yuki. Que vous pouvez retrouver, enfin, évidemment. C'est la stratégie en ligne ici, parce qu'elle est beaucoup plus visuelle et du coup beaucoup plus facile à faire. J'aime beaucoup la position de Just ici. Regardez-le là, avec la patte en l'air. Qu'est-ce qu'il fait? Il danse la Macarena pendant les combats, Just, à l'aide. Bref. Donc condamnation d'Azur. Que va-t-il se passer sur cette condamnation d'Azur? Premièrement, donc là c'est avec... Là c'est la totale. Là c'est les chevaliers, les dragons encore une fois, ça va être un bordel. Donc, qu'est-ce qui se passe? Les chevaliers pop. Alors, il y a 2 chevaliers et un dragon, si je dis pas de conneries, sur cette phase qui apparaissent. Et le guerrier, ici. Donc le guerrier va définir le nord de la mécanique, encore une fois. Hein, c'est... Il n'y a pas de nord à Tichay. Le nord ici, c'est le guerrier. Nous, on va se positionner... En ligne par rapport à ce guerrier, on a une ligne très définie que vous voyez sur le toolbox là-haut. Et du coup, pendant ce temps-là, il va y avoir des cleaves de dragon et une lance que va faire un chevalier. Donc on fait cette ligne. Donc là, vous voyez, belle ligne. Oulala, regardez, on est soyeux. Et il va y avoir un cast de Doom et 4 personnes. 4, j'ai dit, merci. 4 personnes vont avoir un Doom, donc un glas, qui dure 25 secondes. Au terme de ces 25 secondes, vous mourrez. Des dooms vont apparaître sur les gens, donc 4 dooms vont apparaître. Qu'est-ce qu'on fait pour faciliter cette méca? Les 4 personnes avec le doom vont avancer, vont reculer, et les 4 personnes sans doom vont avancer. Un botaniste en colère, c'est ça. Donc là vous voyez, on a les dooms qui apparaissent, on voit les dooms reculent, tous les dooms reculent. Là, pap. Oh là, évidemment, alors attendez, parce que du coup j'ai un milliard d'effets en même temps moi, mais... Les dooms reculent, et les non-dooms avancent. Donc là je vois, tu vois, sur ma ligne... Sur ma ligne, là, je suis numéro 3 en partant de la gauche. Moi, je me réfère en partant de la gauche, vous vous référez en partant de la droite, ça se bat les couilles. Donc, le but de cette disposition,
c'est quoi? C'est qu'en fait, vous allez déterminer très rapidement qui a les dooms, qui n'a pas les dooms, et ensuite, par rapport à votre position sur cette ligne, vous savez où vous allez pour vous placer sur la mécanique. Le doom qui est le plus à gauche va aller à l'ouest. Le doom qui est en deuxième position à gauche va aller au sud-ouest. Le doom qui est en troisième position va aller au sud-est. Et le doom qui est de tout à droite va aller à l'est. Pareil pour les non-dooms. Les non-dooms, donc les sans rien, celui qui est le plus à gauche va à l'ouest. Celui qui est le deuxième sur la ligne va nord-ouest. Celui qui est le troisième sur la ligne va nord-est. Et celui qui est le quatrième sur sa ligne va à l'est. Et comme ça, qu'on se déplace sur cette mécanique, il y a un petit twist, vous allez voir. C'est que cette mécanique, ici, on va aller se placer comme ça. Donc, tout le monde se place. Donc, on se place rapidement, rapidement, rapidement. Vous avez le temps, vous voyez, là, vous avez le temps de vous rattraper. C'est pour ça, c'est à ça que sert l'expédient ici, d'ailleurs. Scat. Scat. Donc, voilà. Ici. Donc, ici, vous allez vous placer, donc, comme sur le toolbox. Donc, tout le monde va à l'extérieur de la plateforme, sauf les dooms qui sont est et ouest. Ces dooms qui sont est et ouest vont aller se mettre devant, juste, tu vois, ils vont toucher du pied la ligne extérieure du cercle de pierre ici. Ils vont toucher la ligne extérieure du cercle de pierre ici, en étant sur, bah, sur la ligne est-ouest. Donc ça, c'est le placement de départ. Regardez le nombre de... le prix qui se passe en même temps ici. Enfin, la liste d'inimitié, là. Donc, Tordane va faire pluie d'éclairs sur tout le monde. Donc, il faut que tout le monde soit espacé. C'est très important. C'est pour ça que ces deux-là ne peuvent pas être positionnés de la même façon. C'est pour ça qu'ils sont positionnés exactement comme les deux... Enfin, comme quoi vous vous positionnez pour la foudre en P2. Exactement comme le tank et celui qui est juste derrière lui. Ils sont placés exactement comme ça. Le V... Vedrfolnir va faire plongeon trompeur avec les twisters, encore une fois. Donc, il faudra faire encore une fois attention au timing des twisters. Il y a la sombre écaille qui fait cautérisation. Il y a Vinetnir qui fait l'aile de la salvation. Il y a Zenenetnir, Sir Zephyri, qui fait la lance de la conquérante, je crois, ou de la condamnation. Donc, il va se passer 500 trucs en même temps. Et en plus de ça, on a le War, hein, qui était là au début de la mécanique. C'est pour ça que c'est lui notre Nord. C'est parce qu'il va venir aussi faire la même secousse sismique qu'en P2. Donc l'impact violent qui va venir faire monter des cercles de terre 4 ou 5 fois d'affilée sur l'arène. Donc, ce placement initial permet d'une part d'éviter l'AOE au centre et les diagonales faites par les lances. Vous voyez que là, il y a un guerrier qui fait une lance, là, je sais pas si on le voit bien, voilà, là. Autre chose, tous ceux qui sont en intercardinal par rapport au war dans cette mécanique, d'accord? Tous ceux qui sont en intercardinal par rapport au war dans cette mécanique doivent se décaler. Doivent se décaler, pareil, vers le nord-sud. Pourquoi? Parce que bah, c'est des diagonales, et la diagonale, en fait, elle te rase les miches. Le dragon, en fait, il rase, en fait, la diagonale dans ce sens-là. Et elle va rogner, en fait, un bout de l'intercardinal. Donc cette diagonale va rogner un bout de l'intercardinal ici, c'est pour ça que je me déplace légèrement à gauche, pour pas me faire soulever par le dragon. Placement initial, lui, il va faire un impact. Une fissure, Carglass, donc un impact. Deux impacts. Au deuxième impact, à partir du moment où tout le monde prend la foudre, vous voyez, je prends la foudre, je bouge. Pourquoi je bouge? Parce que, attention Twister, comme vous allez voir là, vous avez des Twisters partout. D'accord? Donc, ici, le timing pour vous déplacer, c'est foudre. Un impact, deux impacts, foudre, bouge. Voilà, ça c'est la première chose. Là vous voyez, d'ailleurs vous voyez toutes les AOE. Il y a une AOE du dragon devant là qui me rase le cul. Je rentre à l'intérieur. Il y a une AOE de la lance qui passe ici. Et il y a une AOE centrale, noire là, qui passe là. Donc c'est un bordel à... voilà. Mais par contre, là où j'étais, le petit coin qui est ici là, hop, il est safe. Et vous voyez le triangle qui est là, qui est dessiné par la foudre parce qu'on voit bien avec les couleurs. Ce triangle là, c'est mon triangle safe. Et vous voyez que l'AOE devant passe dans mon marqueur ici. Là où est devant, ici. Là, elle passe dans le marqueur. C'est pour ça que c'est important d'être décalé vers le nord et le sud. Pareil pour tous les intercardinaux.
Donc voilà, impact de foudre ou deuxième impact de terre, je bouge pour esquiver mon twister. Sauf que, il faut aussi éviter la terre à ce moment-là. Et dépendamment de votre pattern, vous allez esquiver la terre de différentes façons. Et c'est ça qu'on va voir quand on aura fini la méca. C'est les différentes façons d'esquiver les patterns de terre parce que c'est très important. Donc, on esquive le twister, on esquive la terre et on va se positionner. Donc après les AOE, et on va se positionner donc dans la terre comme ceci. Alors, le plus simple ici, comme regardez ce que je fais, d'accord, c'est que je suis Doom, d'accord. Donc tous les Doom, sauf les Est et Ouest, vous êtes Doom intercardinal, vous traversez et vous allez vous poser en face, donc sur l'intercardinal d'en face, sur le cercle intérieur. Et vous bougez plus. Vous bougez plus, la méca elle est finie. Donc là vous voyez, j'esquive mes terres. Bam. Poudre, esquive. J'attends, j'esquive la troisième terre, je rentre dedans, poup, et je vais me placer sur ma diagonale, ici, je bouge plus. Ça c'est pour les deux Doom intercardinaux, vous ne bougez plus. Le but c'est de cross votre position et d'aller sur le cercle intérieur à l'opposé de là où vous étiez. Pourquoi? Parce que les non-Doom à ce moment-là, quand ils prennent la foudre, ils laissent un peu d'œil blanc, que vous voyez là, qui va se transformer ici. Donc c'est les mêmes puddles blancs qu'il y a sur Ucob, hein. Dans la phase 2 d'Ucob avec Nael, c'est exactement les mêmes puddles blancs. Il faut poser, qu'il laisse un puddle, qu'il faut ramasser après pour dispel le glas. C'est exactement pareil. Donc, il laisse un petit du coup qui est transparent, translucide là-bas, que vous devez aller récupérer, que tous les glas doivent aller récupérer à la fin. C'est pour ça que nous, on traverse, parce que du coup, tous les dooms, bah, tous les non-dooms vont poser des trucs pour dispel au nord de la map. Et tous les Dooms, du coup, vont aller chercher ces dispels et du coup vont intervertir leur position avec les non-Dooms, tout simplement. Donc là, retour du PlayStation de la phase 1. Sauf que, il y a un Twix ici, c'est que les croix seront toujours sur deux non-Dooms. Les ronds seront toujours sur deux Dooms. Et, par-dessus le marché, seront toujours sur les deux Dooms les plus loin. Donc c'est très important, à ce moment-là de la mécanique, de ceux qui étaient en Est et Ouest, de rester le plus loin possible du groupe, enfin pas le plus loin possible, mais rester en dehors du cercle central, pour appâter sur eux les ronds de ce PlayStation. Reste du coup triangle et carré, il y aura toujours un triangle sur un Doom, un triangle sur un non-Doom, et un carré sur un Doom, un carré sur un non-Doom. Pourquoi ce positionnement est intéressant? C'est parce que du coup le triangle Doom et le carré Doom sont déjà à leur position, ils n'ont plus besoin de bouger. Moi là, je suis allé vers ma diagonale, je suis triangle, j'ai pas besoin de bouger. Ça fait que la personne qui a triangle sait exactement où elle va aller d'office. Mon carré, normalement, est censé avoir fait la même, donc il est censé être là-bas, être déjà positionné. Et vu qu'il est déjà positionné, son carré non-Doom va savoir exactement où il veut. Les deux ronds seront sur des Dooms, donc eux, ils vont bait volontairement les Dooms sur eux, et ensuite revenir en Est et en Ouest dans le groupe, parce que du coup, eux, c'est la personne qui est derrière eux qui a bait le dispel. Et du coup, reste que les X qui, eux, bah en fait, il y a juste un des deux X qui va au nord et l'autre qui va au sud. Donc voilà. Sauf que... c'est pas fini. Comme vous voyez sur le toolbox, il y a des yeux. Donc exactement les mêmes yeux qu'en P2 lors du DRK plus Orb. Donc la même chose qu'il y a en P2, c'est il y a un gros neneuil qu'il faut pas regarder et Tordane qui font un regard qu'il ne faut pas regarder. Donc il faut se positionner pour se faire repousser et ne pas regarder vers ni Tordane... ni vers l'œil. Je sais pas si on va les voir ici. Tordane est là, tu vois. Là, je vois que Tordane est là. Tordane est en 3, là. Bah, si, Tordane est en 3, tu vois. Donc, je sais pas besoin de regarder Tordane, tu vois. Je sais qu'il est là, je m'en fous de sa gueule. Je sais que je regarde pas vers lui. Voilà, l'œil est là. Vous allez le voir, là. L'œil, il est là. Là-haut, là. Ah! Attendez. Là, vous voyez l'œil, il est là. Donc, je sais que j'ai un Tordane en 3 et un œil en C, d'accord? Donc, du coup, bah, j'ai pas besoin de regarder ni l'un ni l'autre. J'ai pas besoin de regarder ni l'un ni l'autre, je sais que l'œil est là, Tordane est là, je peux continuer à regarder en D, et je vais me tourner légèrement vers là-bas. Même pas, ouais voilà, si voilà, je vais me tourner légèrement vers 1, pour être sûr, même si je pense qu'en tournant vers 2 ça passe. Donc je me tourne légèrement vers 1 pour pas regarder l'œil, je sais que Tordane est là-bas. Et donc PlayStation, les chaînes, pas même chose qu'en P1, on se fait repousser, on brise les chaînes, on récupère son puddle.
Quand on a le Doom, parce que vous voyez, il restait une seconde dessus, là. Donc on récupère son Puddle pour se libérer du glas. On prend l'explosion des flammes célestes, hein, qui sont buffées de 15% par rapport à la P1 aussi, donc faut faire attention à ça. Et la méca est terminée. Les différentes esquives de Puddle. On repère le nord, on est chacun à sa position sur sa ligne. J'ai un setup de bâtard, évidemment, parce que je suis un érudit, et pourquoi pas. Donc, je n'ai pas de Doom, j'avance, je regarde à gauche, je vois qu'il n'y a personne, donc c'est moi le Doom, enfin c'est moi le non-Doom qui est est ou ouest. Donc je vais à l'est. Premier impact. Deuxième impact plus foudre, j'esquive mon twister. Ici, deux façons de faire. Deux façons de faire, vous esquivez vers l'extérieur de la terre. Vous esquivez vers l'extérieur de la terre. Ou vous esquivez vers l'intérieur de la terre. Je conseille l'intérieur de la terre. Pourquoi? Parce qu'en fait, la personne qui sera devant, dépendamment de son esquive, si elle est un petit peu trop tôt sur la mécanique, elle va laisser un twister qu'il va falloir esquiver bien par l'extérieur. Ce qui peut être bizarre. Si la personne devant vous esquive tout droit, il n'y a pas de problème. Si la personne qui est devant vous esquive par la gauche, c'est beaucoup plus serein de le faire comme je vais vous le montrer. Donc moi je fais un petit pas à droite, là, boum, je sors de ma poudelle blanche là. La foudre, enfin la terre va taper une troisième fois, juste devant moi, vous voyez, elle s'arrête. Vous voyez, ça c'est la zone safe, le triangle là, entre ma puddle et 1, 2, 3 prends plus tard. Donc par rapport à votre positionnement initial, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, voilà. Vous devez vous décaler, on va dire, de 4. 4, ou 4 c'est très bien. Voilà. Vous décalez de 4, exactement comme vous esquivez les DRK plus orbes en P2. Donc vous décalez de 4 à droite, vers l'intérieur de la terre, et vous attendez le troisième impact, et vous rentrez. Vu que je suis non-doom, je vais me mettre vers le sud, et en attendant de voir ce qui se passe. Donc là, j'ai un carré, je vois que mon carré, il est bien placé, donc je me mets... Oups, en face de lui, je vois que les yeux sont pas de ce côté là, je me fais repousser et je meurs parce que quelqu'un d'autre est mort, du coup ça fait péter deux fois la... bon, bref. Donc voilà, ce placement je vous conseille parce que je trouve ça beaucoup plus safe. C'est, il y a aucun cas de figure où vous pouvez croiser le twister de quelqu'un d'autre, donc je le trouve plus serein. C'est un peu impressionnant, mais donc un impact, foudre, décalage à droite, j'attends la troisième terre et je rentre. Ça, c'est le pattern non, c'est le pattern safe est-ouest. C'est l'un des plus tricky en vrai, c'est l'un des plus compliqués. Vous pouvez avoir aussi, du coup, celui-là, c'est quoi? C'est le court safe. Donc, on fait la ligne, vous pouvez avoir, donc j'ai pas de doom, j'avance, je regarde à ma gauche, je vois qu'il y a une personne à gauche qui est déjà partie beaucoup trop tôt, mais c'est pas grave. Donc je vois qu'il n'y a qu'une personne à ma gauche qui est non-doom, donc ça veut dire que je suis nord-ouest. Je vais nord-ouest, je rentre légèrement, tu vas aller vers le nord, donc vers l'intérieur. Et je suis du coup juste à côté de la terre. C'est le pattern 2 que vous avez, le pattern que vous rentrez en 2 quand vous êtes tank et que vous êtes en pointe du triangle en P2. Donc là vous attendez, impact 1, impact 2 plus foudre, vous avancez tout droit et c'est fini. Vous allez vers le sud. Et vous attendez la mécanique pour voir, pour voir où est-ce que vous allez devoir vous placer. Bon là, bon bah pas de bol parce que du coup il y a eu des morts, donc du coup le PlayStation il est fucked, mais grosso modo, c'est tout. Vous faites votre ligne, si vous êtes nord-ouest ou nord-est, hein, c'est pareil, vous allez vers le nord, vous attendez la foudre et le deuxième impact et vous rentrez dans la terre. Là vous voyez, je rentre dans la terre, et je vais me placer. Hop, et c'est fini. Ça c'est le pattern court safe. Ensuite, nous avons le pattern loin Doom. C'est le pattern où il faut pas vous faire bait. Faut pas aller trop vite. Donc là, je vois que je suis troisième, donc je suis sud-est ou sud-ouest. Donc je me mets, pareil, à l'intérieur hein, du nord-sud. Un impact, foudre. J'avance pour esquiver mon twister. J'attends. J'attends cette troisième terre qui est là, pour pas me faire soulever. Et ensuite, j'avance. Et je crosse. Pareil, comme j'ai dit tout à l'heure, je vais à l'opposé de là où j'étais, vers le 2. Je regarde les yeux, je vois que je suis bien placé. Je suis déjà plein placé, bon, du coup mon mate avec triangle sait où il doit se placer. J'esquive, je récupère mon glas, fini. Donc on revoit ça, on va se placer sud-est ou sud-ouest, légèrement vers le nord.
un impact, deux impacts, foudre, on avance pour le twister, on attend. Troisième impact, et ensuite on avance. Le but c'est vraiment de faire quelques pas pour esquiver le twister, et ensuite avancer pour esquiver la terre. Si vous voulez faire un tout droit à ce moment-là, vous mourrez. Et ensuite on a le Doom Est-Ouest, qui est très rare pour moi parce que je suis au centre de la mécanique, enfin de la ligne, donc c'est très rare que je l'ai. Donc du coup ici on a... Donc, je regarde la ligne, je fais ma ligne, j'ai mon setup de bâtard, comme d'habitude. Bam, et là je vois que les 4 Dooms sont du même côté et les 3 sont à ma gauche. Donc je suis Doom Est. Donc, je mets mon truc, je vois le truc, je fais « Oh sa mère, tiens, pour une fois ». Je vais en Est ici, donc comme je l'ai dit, tu vois, je lorgne la... Je mets une petite patoune sur le cercle de pierre qui est ici. Je suis pile en face de Est-Ouest. Et donc le guerrier va faire un impact. Deuxième impact plus foudre, j'avance tout droit vers la terre et je rentre dedans, c'est fini. Et vous voyez mon twister. Alors tu vois, je bouge légèrement early pour celui-là. Ce qui fait que mon twister ici... Tu vois, mon twister est là. Donc ça veut dire que j'ai bougé un petit peu tôt. Mais c'est pas grave à ce moment-là parce qu'en fait, personne d'autre ne peut être sur cette trajectoire en fait. Donc tant que tu te retournes vers la terre et que tu avances tout droit, tu vois là c'est pareil, tu vois, c'est pour ça que je me retourne légèrement. Je me retourne vers la terre ici et je fais un tout droit vers le guerrier. Donc voilà, personne ne peut être sur ma trajectoire ici en fait. Personne. Donc ça emmerde ni le mec derrière moi, ni le mec en haut. Vous pouvez ici là, au lieu de faire ce déplacement que je fais tout droit, vous pouvez faire un pas à gauche, en arrière, ici, là. Et ensuite rentrer dans la troisième terre. Parce que vous allez voir, un, on voit peut-être pas. Mais tu vois, la troisième terre, en fait, vous pouvez faire un L vers l'arrière et remonter dedans. Vous pouvez l'esquiver aussi comme ça. Donc vous esquivez votre twister en allant vers, en diagonale derrière vous. Et ensuite, vous rentrez dans la troisième terre. Je trouve ça beaucoup plus stupide et t'as pas besoin de réfléchir, tu te tournes vers la terre et d'avancer tout droit. Mais après vous faites comme vous voulez. Hein. Chacun trouve son rythme et chacun trouve ce qui est plus facile pour lui. Par contre, c'est pas fini. Ici, quand vous êtes Doom Est-Ouest, d'accord, vous rentrez dans votre terre. C'est très important après de ressortir. Là vous entrez et je ressors. Tu vois, je retrouve mon Est et mon Ouest et je sors en dehors du cercle intérieur pour appâter sur moi le PlayStation rond. Donc là j'en profite, tu vois, je suis à l'extérieur, j'ai rien d'autre à foutre. Je regarde Tordane, je vois que Tordane est là, je vois que l'œil il est pas là, donc ça veut dire que là je regarde dans la bonne direction. Le dragon est un bait, hein. Le dragon ne fait rien de spécial. Bah si, c'est lui qui met les puddles blancs, mais je veux dire, vous pouvez regarder le dragon, ne vous faites pas avoir. Donc là, tu vois, pouf, comme ça j'ai le PlayStation sur moi. Et dès que j'ai le PlayStation rond, j'avance avant que les chaînes apparaissent, maintenant, pour que la chaîne soit facile à péter. Oups, et je me fais repousser. Et bon, voilà, bah il y avait des morts, donc forcément, c'est la misère. Donc voilà, ça, c'est les 4 façons d'esquiver les terres et les 4 positions que vous pouvez avoir sur cette mécanique. Récapitule, ce deuxième trio. Alors, attendez, on va mettre ça là. Ligne. Ok. Récapitule, le deuxième trio. Vous faites votre ligne par rapport au guerrier. Les dooms s'appliquent, on spread les lignes, vous allez à vos positions par rapport à vos dooms, les yeux apparaissent. On attend le deuxième impact ou l'impact de foudre pour bouger et esquiver son twister. On rentre dans la terre, on cross en doom pour aller sur le cercle à l'opposé. Vous baitez vos trucs de PlayStation. Vous vous faites repousser, vous purgez votre glas et c'est fini. Fini, lol. Non, pas vraiment. Parce qu'il y a tout un bordel ici à gérer après. Après ça... Qu'est-ce que je dis? Oui. Ici, il y a les météores. Alors, 8 météores vont apparaître sur l'arène. Ici. Ces météores sont un très gros DPS check. Vous avez vos bursts de 1 minute qui reviennent ici. J'allais dire, je vous conseille. Non, balancez-les. Balancez-les, parce que vous allez en avoir besoin dans tous les cas de figure. Balancez vos bursts d'une minute ici. Très important. C'est vous allez en avoir besoin pour DPS les météores. Il y a 2 façons de faire. Mettre une grosse LB2. Vous voyez, on a une LB2 là. Donc mettre une... Peut-être pas, mais on a une LB2 ici. Donc mettez votre LB2
caster de préférence, parce que c'est plus facile à viser, sur les météores. Et faites du DPS sur les 5 restants. Nous, on a fixé le nord, donc le nord qui est là-bas. Donc les 3 orbes... Les 3 orbes au nord, là-bas, vous allez voir la LB partir bientôt. Boum. Les 3 orbes au nord, là-bas, on les tape pas. Et là, on voit que... Que faites-vous, monsieur le ninja, là? Que faites-vous, là? Ah, bref. Ces 3 météores, on les tape pas parce qu'on les LB2. Ça facilite grandement la méca de LB2. C'est faisable sans. Mais je pense que c'est beaucoup plus facile avec certaines compos qui ont des grosses techniques à haut. Typiquement, vous avez un danseur ici, c'est festival. Hein. Vous mettez au centre... Vous déchirez les 8 météores en même temps, en fait. Donc voilà, c'est pareil. Le mage rouge, la fin du combo qui est une attaque en ligne, vous pouvez en toucher 3 en même temps. Le barbe, vous pouvez en toucher 3. Le mage blanc peut se mettre assise au milieu. L'astro peut mettre l'étoile, enfin... Voilà. Moi, en érudit, je pue la merde. Je pue la merde, j'ai pas les mots. Hein. Je ne peux que faire de la OE parce que c'est plus rentable et en toucher 2. Voilà, c'est tout ce que je peux faire. C'est mon maximum, mon top, voilà. Donc, mettez vos bursts de 2 minutes, répartissez vos dégâts. Si vous vous sentez de faire 100 LB parce que vous avez suffisamment de cleave, faites-le. Sinon, mettez la LB2 parce que le DPS check de la P6 n'est pas si élevé. Voilà, donc nous on met ça là. On se répartit sur les météores. Et le but là, ça va être de taper. Donc, mettez vos 1 minute, hein, vous balancez vos 1 minute dessus, vous leur éclatez la gueule. Voilà. Le plus important, c'est à la fin, par exemple, quand il reste que 2 météores, faut pas mettre genre 6 personnes sur un et un seul sur l'autre, tu vois. Parce que sinon, il y en a plein qui vont perdre du uptime de ouf. Donc répartissez, essayez de répartir les dégâts au maximum. Très important. Donc ces météores, vous voyez que là, même avec la LB2, voilà, hein. Donc tuer ces météores, c'est un gros DPS check du fight, faut faire très attention à ça. Et juste après ça, du coup, Tordane va revenir. Ancient Quagga. Suivi du combo TB. Donc, il va revenir ici. Hop. Méga séisme ancien. Mithy. 40% mini. Donc, vous mettez votre Mithy. Bam. Vous l'encaissez. Derrière, le combo. Et c'est ce combo qu'il va falloir faire. Donc, enfin, auquel il va falloir faire extrêmement gaffe. C'est parce que si vous mettez tous vos CD tank sur ce tank buster, vous allez arriver en P6 à poil. Et en P6, il y a 5 TB. Et donc, vous voulez pas arriver en P6 à poil. Je vous assure que vous voulez pas arriver en P6 à poil. Sachant que les 2 premiers TB, il y en a un à 12 secondes, l'autre à 45. Donc, vous voulez vraiment pas arriver en P6 à poil. Les tankbusters, donc, le coup de talon et stock céleste. Donc, CD sur un tank, swap et triple cleave sur l'autre. Tu vois que là, on passe large. Hein. Là, il met tous ses CD, il va enlever rempart là-dessus et on sera large aussi. En fait. Et du coup, le cleave sur l'autre tank, faut faire attention, encore une fois, il a 15% de dégâts supplémentaires par rapport à la P2. Et là, tu vois qu'on a 10 fois trop de Mithy, encore, il prend rien du tout. Ne crois pas que tu y parviendras simplement en m'éliminant. Rien, pas même ma disparition ne saurait effacer 1000 ans de souffrance et de chaos, effectivement. Y'a pas tort, Tordane, hein, en soi. Donc là, il va caster Explosion Éthérée, qui est son Enrage. Il va caster son Enrage. S'il arrive à la fin de ce cast, bah c'est wipe. Pitié, monsieur! Je me rends par pitié, épargne-moi! Et du coup, ici, il faut l'épargner. Il faut l'épargner parce que sinon, ça ne correspond pas à la vision du futur de notre ami Ménestrel. Donc nous sommes les gentils, nous on épargne les méchants. Donc ici, à partir de en dessous de 3%, il va dire... Oh, par pitié, épargnez-moi, il faut l'épargner. Si vous le tuez ici, quand vous allez arriver en P7, bah, ça va pas bien se passer. Vous allez prendre un rewind dans la gueule. Donc voilà, vous arrivez ici en fin de P5. Il ne faut pas le tuer. Tu regretteras ta miséricorde, disciple de la lumière. J'aime bien parce que tu l'épargnes et il te dit ça avant de se barrer comme un schlag, quoi. Et du coup, on arrive en P6. Où le ménestrel errant te dit, il suffit parfois d'un seul être pour changer le cours de l'histoire. Et c'est ainsi que le dragon sacré Razvelgr, sous l'influence de la technologie Alagwa, plongea sur Ishgard pour se battre aux côtés de son frère. Son frère qui est Nidhogg, évidemment. Donc dans cette timeline où on épargne Tordane, Razvelgr est maîtrisé par les technologies alagoises et fond avec Nidhogg sur le siège d'Ishgard. C'est pour ça qu'on va arriver
dans cette P6 où on va affronter The Double Dragon, The Double Dragon Billy et Jimmy. C'est qui Billy? C'est qui Jimmy? Je vous laisse dans les commentaires me le dire dans la vidéo. Ok, donc du coup voilà, on arrive en P6 et on aura fait le tour de ce qu'il faut savoir sur la P5 en ayant vu à peu près tous les points de vue. Et du coup c'est ce qui conclut notre petite debunk de la phase 5. J'espère que tous les points de vue et tous les petits conseils ont pu vous aider à avancer sur cette phase et à comprendre un peu mieux ce qui se passe. J'essaye comme d'habitude de donner le plus de détails possible pour essayer de rendre le progrès plus simple pour tout le monde. Nous on retourne attaquer cette P6 et surtout stabiliser cette P5 parce que du coup il y a beaucoup de choses à assimiler. Et sur ce, bah du coup, je vous fais la bise du Rodgar à tous, je vous dis à très bientôt sur YouTube pour de nouvelles vidéos, prochain guide de job, hein, évidemment, qui va pas tarder à arriver, du coup, maintenant, à voir si ce sera un guide d'opti ou un guide d'un autre job. N'hésitez pas, hein, à aller voter sur la vidéo du guide du moine, pour me dire si vous voulez la suite en vidéo, ou si vous voulez tout simplement un autre job. Voilà, des bisous, amusez-vous, ciao.